Passer de Paris à Chamonix, c'était plutôt osé. Mais pour lui, ça lui a réussi. Je veux dire, ça n'a été que du bon. Il est passé à de l'air pur, du gros dénivelé pour ses entraînements. Tout était là. Tous les éléments étaient réunis pour qu'il réussisse. Et je pense d'ailleurs que ça va vite se ressentir sur les prochaines courses. Mais ça, on le verra plus tard. Histoire de présenter un petit peu le personnage, Nicolas, 26 ans, a toujours été assez sportif. Très jeune, il pratiquait déjà énormément de sports, dont il arrivait toujours en tête. Le principe, c'est d'être toujours le meilleur. Il fixe toujours et fixera toujours la barre très haute. Récemment, il a découvert la course et plus particulièrement le trail. Pour ceux qui ne connaissent pas, le trail, c'est de la course dans un environnement naturel, en montagne, désert, forêt, plaine, avec le minimum possible de routes cimentées ou goudronnées. Le principe, courir dans des routes de terre, des chemins forestiers ou même dans des sentiers. L'un des très gros avantages de ce sport, c'est qu'il y a un esprit d'entraide entre tous les participants, un esprit de loyauté et de solidarité. C'est l'un des premiers sports d'ailleurs où j'ai pu constater ce principe-là. Pour en revenir à Nicolas, il a commencé le trail en 2012. Puis très vite, il s'est lancé sur différentes compétitions sans aucun mal. Il s'est très vite attaqué à des courses plus conséquentes, comme l'Éco-Trail de Paris, une course de 30 km qu'il réalisera en 2h23 minutes et 39 secondes. Finira 51e sur plus de 2300 participants, toutes catégories confondues. Le mois qui suivit cette course fut très important. Nicolas souhaitait franchir une nouvelle étape et repousser la barre encore plus haute. Il s'est longuement entraîné pour y arriver et en se fixant l'objectif de le terminer en moins de 3h30 minutes. Avril 2013, le marathon de Paris. Sa famille était réunie pour l'encourager. Avoir le physique est une bonne chose, mais il faut également avoir un moral d'acier. La course fut difficile, mais il s'est battu. Et c'est seulement 3h et 5 minutes après le départ qu'il franchit la ligne d'arrivée.
Après le marathon et avec un bon repos, Nicolas continuait d'enchaîner les courses avec également des podiums. Compétiteur dans l'âme, il s'inscrit pour la Max Series d'Annecy en mai 2013. Une course de 85 km. Malheureusement, une fois arrivé sur les lieux, la course est annulée par cause de conditions météorologiques déplorables. La sécurité passe avant tout dans le trail. Une fois rentré à Paris, Nicolas va avoir le privilège de devenir invité top de la Team Outdoor. A partir de là, il portera sur chaque course l'écusson ou le maillot de la team. Et quelques temps plus tard, il deviendra, de par ses performances, non plus invité, mais top de la Team Outdoor. Le 29 mars 2014, il s'inscrit à nouveau à l'Ecotrek de Paris, mais cette fois-ci non pas aux 30, mais aux 80 km. Une course qui fut compliquée de par la chaleur écrasante ce jour-là. Au milieu de course, Nicolas ne se sent pas très bien. Il fera donc plusieurs arrêts au ravitaillement afin de se réhydrater au maximum et récupérer un petit peu. Au bout de quelques minutes, il reprend la forme et part jusqu'à la ligne d'arrivée qu'il franchira au bout de 7h et 22 minutes. Nicolas a continué encore et encore les courses et différents trails, ne cherchant plus le spectaculaire, mais plutôt les performances. Et parce que l'on ne se rend jamais assez compte, nous allons suivre une journée type avec lui. Walking through the fields of gold, in the distance, bombs can fall. Boy, we're running free, facing light in the flow, and in the cherry trees, we're hiding from the world. But the golden we'll be right back.
can hear the call. As I walk in through the door, did you ever dream? Après beaucoup de temps sur Paris, Nicolas est parti vivre à Chamonix,
son envie d'air pur, de grandeur, et également l'envie de continuer la discipline dans des conditions parfaites, l'a poussé à faire ce choix. Il a récemment eu l'occasion d'intégrer la team Ravanel. Il est ainsi sponsorisé par Salomon. Depuis, il continue les trails et autres courses dans un paysage somptueux. La localité lui permet de s'entraîner comme il le souhaite et sans limite. Il vient également d'être sélectionné pour participer à la CCC, une course de 102 km rejoignant Courmayeur, Champex et Chamonix, avec plus de 6000 mètres de dénivelé. Et si Nicolas continue de progresser, c'est pour un jour peut-être, pourquoi pas, s'attaquer à l'une des courses les plus difficiles. L'Ultra Trail du Mont Blanc. The sound of a fight.